quoi de ouf. Les seins sont pas naturels. Le bassin, bon, y a un nombril un peu bizarre. Il y a tout en refait, là. Serait-elle transsexuelle? Homme ou femme, femme ou homme. Ça va pas être un transsexuel. Elle est pas trans, ça là. Je pense qu'elle est trans, super bien réussi, quoi. T'as plutôt réussi. Pied, hein. Moi, j'ai hâte de vendre un autre. Bah, ça m'a l'air d'être une femme, hein. Non. Ce serait un homme. Angie, brouille les pistes. Non, moi j'ai une fille aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle a 8 ans. Pour aller voir qu'elle a un rôle, fait qu'elle a un enfant, faut que je suis son femme. Ça me fait 5000 euros, donc y a pas de soucis. Passons maintenant au titre de meilleur enquêteur de la semaine qui revient à Émilie. La Lilloise est la seule à avoir, enfin, presque découvert un secret cette semaine. Je pense que le secret de Nicolas est qu'il rentre en contact avec l'au-delà. Il vit en communication avec l'au-delà, peut-être dans... En découvrant une partie du secret de Nicolas, tu remportes la moitié de sa cagnotte. Mais avec quelle personne est-il plus particulièrement en contact permanent? Voici une question qui va s'avérer très complexe pour nos habitants. Oui, je peux jamais te quitter, ma grand-mère, en fait. Tu gênes le cœur ouvert. Dalida, il est en train de chanter. Éternellement, elle sera avec moi. Bien sûr. Mais comment ça se va-t-il